50 ans d'histoire, 50 ans de dictature. Est-ce que le peuple français peut accepter d'être encore sous le joug dictatorial? Bon, nous aujourd'hui, nous sommes indignés. 50 ans de torture, d'humiliation, le peuple gabonais a dit non. Et aujourd'hui, nous voulons notre souveraineté. Oui, respecter notre vote. Notre vote doit être validé. Le peuple gabonais a fait son choix et il doit être respecté. C'est tout. Alors, il n'y a pas de raison que M. Sarkozy passe pour féliciter un dictateur qui décide le peuple. Et ce peuple qui a fait son choix en la personne de M. Jean-Ping et non plus le système Bongo. Le Gabon n'est pas une monarchie. Si le Gabon est un état de droit, alors le peuple souverain a fait son choix. Et il n'est pas celui de M. l'assassin de génocidaire Bongo, c'est par contre M. Jean-Ping que nous avons choisi. Et que vous êtes tous aujourd'hui mais nous, peuple gabonais, nous disons respecter notre choix. Nous n'allons pas reculer. Ceux qui sont au Gabon ne vont pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous réclamons notre victoire. Nous réclamons notre victoire. Oui, le peuple souverain du Gabon dit nous réclamons notre victoire. C'est nous le peuple souverain. Ali Bongo n'est pas au-dessus du peuple souverain que nous sommes. Et Ali Bongo va partir. Sachez-le bien, on va utiliser tous les moyens pour chasser ce rat, ce cafard, cet assassin, ce dictateur. C'est ça. Nous n'allons pas lâcher. Si vous le voulez, Ali, tu es un assassin. Peu importe tes amis que tu as envoyés ici en France pour nous tuer. Vous ne nous aurez pas. Parce que Dieu est avec nous, nous vivons, nous sommes dans la justice. C'est nous le peuple souverain qui avons fait le choix. Et nous disons, notre choix doit être respecté. Voilà. Et qui pour ? Et qui pas ? Et qui pour ? Et qui pas ? Et qui pour ? Vous êtes fatigué ? Vous êtes fatigué ? Vous êtes fatigué ? Vous êtes fatigué ? Tiens, coulé !